Jour et nuit, sans s'en rendre compte, Moira serre les dents. Elle souffre de bruxisme depuis l'adolescence. Quand je suis venue la première fois consulter, on m'avait dit que j'avais la langue en petit lu, donc en biscuit. Et tout dentelé autour à force d'appuyer tellement fort sur les dents. Et eux, ils ont trouvé que je serrais la mâchoire cette fois la normale. Et ça me donne des douleurs dans les mâchoires, dans les tempes, sur le front. Depuis une quinzaine d'années, Moira a recours à des injections de toxines botuliques. Alors la toxine botulique, elle est très efficace sur les douleurs que le bruxisme peut engendrer. En fait, le bruxisme, c'est un peu de l'haltérophilie des muscles masticateurs, c'est-à-dire que le patient, il serre les dents, donc le muscle devient très tonique. On le voit, hein, c'est des gens, au début des traitements, ils ont les muscles hypertrophiés, et ensuite ils vont serrer leurs dents avec des muscles de plus en plus forts. Les doses sont adaptées en fonction de chaque patient. C'est pas selon l'âge, le poids, la fonction rénale, comme d'autres traitements. C'est vraiment individuel. Donc on explique bien ça aux patients au début du traitement pour pas qu'ils se découragent s'il y a des effets secondaires ou au contraire, s'il n'y a pas d'efficacité. On leur explique qu'au fur et à mesure des injections, on augmentera ou on diminuera. Le médecin procède à 3 injections de chaque côté du visage de la patiente. Donc on va injecter les muscles masséters, les muscles temporaux et les muscles ptérygoïdiens médians qui sont derrière l'angle de la mandibule. Alors, serrez les dents, desserrez. J'y vais, je vais dans la zone qui est bien charnue. Serrez les dents. L'ORL s'aide de l'électromyographie pour injecter la toxine botulique dans le bon muscle. Serrez les dents, desserrez. Dans quelques jours, la toxine botulique fera effet. Après, j'ai plusieurs mois de normalité, donc où je ne serre pas trop, je n'ai pas trop de douleur. Et petit à petit, ça revient une fois, plusieurs jours, et puis après, je dois m'habituer. Ces injections de toxine botulique peuvent modifier l'ovale du visage à cause de la fonte musculaire et entraîner des difficultés pour mastiquer. Moira reviendra dans 6 mois pour une nouvelle injection.